Hey yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox. On se retrouve pour la 31ème partie de notre série camping. J'espère que vous êtes chaud patate parce que aujourd'hui on va partir dans un château. Et je pense même que c'est un château avec de la magie un petit peu style Harry Potter, tu vois. Donc je vais vous montrer à quel point je suis un grand magicien. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je vous invite les amis, dans la description, il y a un lien qui vous dirigera vers ma chaîne Roblox. On est déjà presque 30 000 sur cette chaîne là. Donc compte sur vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez vous y abonner. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties, des vidéos plutôt cool. Donc voilà, c'est dans la description, je compte sur vous. On est parti. Let's go. Ok les amis, on est parti. Alors bizarrement on est tous en grand. Voilà, on n'est pas en petit comme d'habitude. Il y aura une partie 2 en plus, donc ça c'est vraiment plutôt cool. On va aller ici dans la boutique et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Vous voulez acheter produit torche? Pourquoi pas avoir une torche si jamais il fait noir? Et ben au moins on pourra voir un petit peu plus clair. Et ça c'est quoi ça par contre? Ça a l'air d'être plutôt stylé ce qu'il y a ici. Soit c'est le même magasin, soit c'est autre chose. Mais ça peut être sympa. Lucky Orb, ok, c'est peut-être une orbe de chance, je sais pas, ou quelque chose qui m'accompagnera durant mes aventures. C'est bon, je l'ai acheté. Et me mettre dans une barque les petits amis. Et j'avais pas vu, mais une sorte de Gandalf ici, juste devant. Ça sera bel et bien un truc de magie. Ok les gars, on est parti vers une toute nouvelle aventure, The Castle. Alors, ça a l'air d'être très très grand déjà. Professeur Adonis, qui s'appelle. Bienvenue étudiant. J'ai pas eu le temps de lire le reste. Why don't you get started by heading upstairs for some class? Et pourquoi est-ce que vous commencerez pas par atteindre votre classe en montant ces escaliers? Donc c'est un peu une sorte de Poudlard. The first door on the left. Donc c'est la première porte à gauche. Et c'est stylé quand même, hein. Franchement c'est assez impressionnant. Donc ici j'ai ma torche qui fait effectivement beaucoup beaucoup de lumière. Et on a l'orbe aussi, l'orbe de chance. Notre classe est juste là, donc c'est parfait. On va rentrer dedans. Hop, ok, c'est pas vraiment la classe, on n'y est pas encore. Il y a pas mal de petites salles. Ici, il y a un gros coffre. Ok, là, c'est une salle qui a l'air d'être un petit peu vide. Ouais, il y a quelques livres et tout. Alors, professeur Oxon. Bonjour les étudiants, mon nom est professeur Oxon. Bah, enchanté, professeur. Would you like to help me? Est-ce que vous voudrez m'aider à créer une nouvelle potion? Ah ouais, carrément, moi, je suis grave chaud. J'adore, c'est coloré et tout. J'ai besoin que vous preniez ces ingrédients. Donc là, il va nous faire une liste sûrement. Alors, ils sont cachés dans la classe. Regardez. Donc, on va devoir trouver les ingrédients qui nous permettront de faire une potion magique. Ah, il y a des petits here. Ok, il y a 3 ingrédients à trouver. Il y en a déjà un qui a été trouvé. Et je pense que les ingrédients, c'est là où il écrit here. Voilà, c'est pas très compliqué. 2 ingrédients sur 3. Et le dernier est juste là. Parfait. Nous avons les 3 ingrédients. Nous allons pouvoir faire la fameuse potion magique. Est-ce qu'on va voir l'effet de cette potion? Je ne sais pas. En tout cas, on l'a sur nous. Ok, fantastique. Beau travail, les étudiants. Donc là, on a la potion. Est-ce qu'on peut la boire? Attends, je peux boire ou pas? Oh, je peux boire la potion, hein. Stylé. Et il y a un crapaud, là. Je n'avais pas vu, mais il y a un crapaud violet qui est juste là. Donc, on doit faire quoi, là, en fait? J'ai pas trop bien capté le délire. Ah, je suis mort. Très bien. C'était certainement une potion empoisonnée, mais je peux ressusciter. Donc, voilà, ça me revient beaucoup moins cher de payer 25 Robux pour me réanimer plutôt que d'acheter une Infinite Life, là, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, soit on devait pas boire la potion, soit il y avait, genre, 2 potions dans toutes les potions qui étaient empoisonnées, ou une seule potion, mais je sais pas, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort, là. Bonjour, étudiant. Je suis le professeur Afaris. Il me fait penser un petit peu au professeur Rogue. Ça parle sur my book. Attends, ouais, j'ai déjà payé ça. So my books, I've got... Ok, on est directement téléporté dans la classe. Est-ce que vous voudriez bien m'aider à trouver? Oh, merci beaucoup. Ils sont autour, voilà, quelque part. On va devoir récupérer des livres, je crois. C'est des livres, ok. Donc, on a déjà trouvé un livre. Ici, le deuxième livre. Il ne manque plus qu'un seul livre et on aura récupéré les 3 livres. Donc, à mon avis, on devra faire quelques petites tâches comme ça pour les professeurs. Il est où alors le dernier livre? Ah, bah, il est juste là. Bon, je vais les laisser le prendre. De toute façon, moi, je suis trop loin. Je vais déjà me diriger vers le professeur. Ok, les 3 livres ont été trouvés. Perfecto, patronum, je dirais même. Merci beaucoup, étudiant. Qui a une petite faim? Bah, moi, j'ai faim en vrai. Donc, on va aller en arrière pour aller manger. Parfait ça, quand ça parle de bouffe, moi je suis partant. Tiens, ici il y a la petite flèche, c'est bien parce qu'il y a tout qui est indiqué, donc on peut vraiment pas se perdre. Donc là on va certainement aller, bah voilà, dans Dining Halls, dans la fameuse cafétéria. On va voir si c'est un petit peu comme Harry Potter avec des longues tables et tout, plein de nourriture dessus. En tout cas, j'aime beaucoup l'univers de cette map, je sais pas vous. Et je compte sur vous aussi, hein. C'est vrai que je le dis pas souvent. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, vous le savez. Donc si vous kiffez la map pour l'instant, le petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Waouh, ouais, c'est un petit peu comme Harry Potter. Incroyable. Oh là là, et c'est quoi ça? Oh, ça a l'air trop bien. Acheter produit Wand. Oh, mais c'est Géros quand même. Ah, oh, je sais pas si c'est juste décoratif ou quoi, tu vois. Je sais pas, bon, c'est quand même 500 Robux, les gars, pas abuser non plus. Du coup, est-ce qu'on peut manger? Ah, on a ça en fait, on a une sorte de vieux tacos. Alors dans Harry Potter, je les ai jamais vus manger des tacos, mais pourquoi pas, hein, un tacos magique. Et là-bas, bah, c'est là où les professeurs mangent. Je garde mon orbe sur moi au cas où. Elle m'a pas empêché de mourir, hein, bizarrement. Donc ça marche peut-être pas à tous les coups, mais je vais la garder en main. J'ai déjà mangé de toute façon.
Comme ça, je suis sûr que j'aurai de la chance. Bon, ok, vous êtes rempli. Maintenant que vous êtes rempli, vous pouvez aller dormir. Donc, on va devoir aller dans les dortoirs. Voilà, et mon téléphone fait encore des recherches sur internet. C'est super chiant. Voilà, Dumbledore, il est là-bas. Bon, il ressemble plus à Gandalf que Dumbledore, mais bon, tant pis. Il y a même Cells là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, on va aller dans les cellules. Et aussi, j'en oublie carrément. Je suis tellement plongé dans cette aventure magique que j'en oublie que c'est une map dans le style camping. Donc, à un moment donné, ça partira en steak. Et là, bah, j'ai du mal à imaginer comment est-ce que ça pourrait partir en couille. Je sais pas. Là, on va aller dormir. Certainement, la nuit que ça va se passer. Peut-être un troll qui va arriver. Bien, étudiant, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Ok, merci beaucoup. Eh ben, je vais me prendre un petit lit. Hop, je peux genre m'installer là. On va vraiment dormir. Ok, la transition. Transition sommeil. Wouah, putain, un dragon. Ça sent le dragon, ça. C'est trop stylé, mec, c'est un dragon. Ah, c'est une tête de dragon. C'est un dragon. Effectivement, il a planté sa tête dans le mur. Seek to the size is back to the way. Ok, donc il faut vite partir d'ici. Regardez-le, il est stylé quand même. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça, il est quand même stylé. Oh non, l'Axe Dragon, machin, le château, je sais pas quoi, va être détruit à cause de lui. Nous avons trouvé un moyen de sortir, de partir. Waouh, d'accord, il a mis carrément de la lave ou c'est du feu. Incroyable, mec. Mais c'est le parcours de cette map. Hop, hop. Ok, il y en a déjà une qui est tombée. De toute façon, moi, dans tous les cas, je peux ressusciter au cas où je mourrais. Hop. Allez les gars, ça va le faire. Ok. Non, la porte est bloquée. Ah merde, comment est-ce qu'on va faire pour la débloquer ou quoi? C'est quoi ce son là? They should be behind the plant pot at the top of the stairs. Tout le monde faut revenir. Ok. Donc en gros, la clé doit être quelque part. On doit essayer de la trouver. Est-ce que tout le monde est ok? Bon, ça va. Je m'en suis plutôt bien sorti. Moi, j'ai aucune blessure. Come on, let's go down here. Donc on doit aller ici. Là, on est dehors. Sympa. Et franchement, le mec, il met vraiment bien en avant sa boutique. Hein. Il y a pas mal de trucs. Moi, je vais prendre ma torche dans un labyrinthe. Labyrinthe qu'il y a aussi dans Harry Potter 4, hein, la coupe de feu. Donc là, c'est moi qui suis en train de parler. J'ai pas bien suivi ce que je disais. Il faut trouver une sortie. Ok, putain, j'ai entendu quelqu'un se faire planter. On a vu le labyrinthe. N'est pas très commode. Ok, cul-de-sac. This plank don't look so safe. Ces planches n'ont pas l'air d'être très sûres. Ok, ici, ça passe. Parfait. Bah franchement, on dirait qu'elle connaît les bails, tu sais. À mon avis, elle est peut-être morte, genre à un moment donné, à la fin. Et là, elle recommence la map, je sais pas. On va la suivre parce qu'elle a l'air de bien s'y connaître. Quoique, je sais pas, là, elle nous fait tourner en rond. Ah, bah c'est là en fait. Il fallait aller ici. Ok, parfait. We have undoubted the match for rest. Let's see, we can make it to the wizard tower. Maybe in cap help us. On va devoir peut-être trouver des gens qui peuvent nous aider. Ah, il y a des petites dalles ici. C'est parfait. On va savoir où aller. Oh, mais on dirait un petit peu genre une maison, style maison d'Hagrid, tu vois. Un petit peu différente, mais sympa, sympa. Bon, ici, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on sera en sécurité. Et il y a professeur Edus qui nous parle. Étudiant, it's not safe. De quoi? J'ai pas le temps de lire. I can make a portal to help you escape. Donc, je vais créer un portail pour pouvoir vous aider. Ah, parfait, ça. Nice. Ouais, I'm short of supplies. Can you help you mind them? Donc, il a besoin de quelque chose. J'ai pas bien suivi ce que c'était. Mais en gros, on va devoir lui récupérer et lui apporter. Bonne chance. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer là? On va devoir retourner dehors. Peut-être des plantes ou des matériaux hein, pour pouvoir créer le portail. Là, il n'y a pas d'indication. Donc, c'est vraiment à l'aveugle. Je vais la suivre. Elle a l'air d'être sûre d'elle. Donc, on va la suivre. C'est stylé la vue comme ça. Bon, c'est pas vraiment la map adéquate pour ça. Oh, on est revenu au point de départ, les gars. Eh, c'est chaud, hein. C'est compliqué de trouver les trucs là. Hein. Ah, j'avais pas vu, mais apparemment, il y a un abonné qui est là. Du coup, coucou, Cupcake Mam. Wow! Il y a une araignée là, je l'avais pas vue. Oh là là, les vieilles araignées dégueulasses. Laissez-moi tranquille là. Non! En plus, c'est ici qu'on doit aller, je crois, non? Je sais pas. Ah, regardez ici. Regardez, il y a un truc là. Ok, donc c'est bon. Je vais récupérer ça. Parfait, donc on a trouvé un truc sur trois. Il manque encore deux. Et bah voilà, il y a les heroes maintenant ici. Donc c'est bon, s'il y a les indications, ça va, c'est franchement facile. On va aller chercher le dernier truc là. On a juste un petit parcours à faire. Hop, 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 et hop. Et voilà, nous avons les trois matériaux. Maintenant, on va pouvoir créer le portail et se casser d'ici. Parce que sinon, on va se faire grave soit par les araignées, soit par le dragon. Par contre, ça va être compliqué de savoir par où il faut aller. Bon, on verra bien. Hein. Je vais essayer d'aller par là-bas et on verra si on retrouve la maison. Ok, c'est bon. Nous avons retrouvé la maison, les petits potes. On va pouvoir lui apporter les trucs. Et hop là. Ah, alors, est-ce que tu es content ou pas? Ok, étudiant. In no time, nous n'avons pas le temps. Il faut vite partir d'ici. Vite, prenez le portail et vous serez en sécurité. Attention, le portail magique, téléportation. Le portail est un porte-loin. Sympa. Ah, dommage que ça n'a pas duré un petit peu plus longtemps l'animation parce que ça avait l'air d'être assez stylé. Et nous sommes donc de retour, je pense, au lobby, les petits potes. Et oui, et ben franchement, cette aventure magique était vraiment super cool. Et en plus de ça, et ben, s'il y a une partie 2,
on se fera un plaisir de la tester, de la découvrir ensemble. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, premièrement, à mettre le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, et puis vous savez, ça soutient la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne ici, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne 100% Roblox ici, checkez deux de mes autres vidéos ici, c'était votre bon vieux Fruit, on se retrouvera, il y a encore plein d'autres maps, là j'ai encore plein d'autres maps à faire avec vous pour cette série camping, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, patience, patience, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.